Bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play, un nouvel épisode de notre let's play sur Moon Hunter. Et c'est parti, lors du dernier épisode, on s'était arrêté... Oh, il y a quelqu'un. Attends, hé. Venez ici, vous. Hé, oh, ok, on fait beaucoup plus mal. Ah, je suis désolé, là, c'est ouf. Là, je pense que vous le remarquez vous aussi, hein. On peut pas le nier. Là, on fait beaucoup plus mal. Toi, dis-moi. Eh. Non, il veut pas. Il y a quelqu'un. Ils disent que la lave du volcan réchauffe les fantômes. J'ai cru voir un fantôme. Encouragé. Vous avez peut-être raison. Donc on est quelqu'un d'empathique. De toute façon, on est quelqu'un de gentil hein, dans le let's play. Hein. Je pense que vous l'aviez deviné. Ah, par contre, nos attaques empêchent d'autres... Ok. Oh, il y a quelqu'un là. L'esprit est long. D'accord. Ça fait rien du tout. Et du coup, là, on va pouvoir passer... Ah non, pas du tout. Ok. Un jour restant. Donc marchand. On va aller ici. On va aller à l'étrange sculpture. Du coup. Alors. C'est bien, là on avance bien. Ah merde, du coup la forêt est déjà en feu. Wow. Putain, je vais mourir. Merde. Je suis mort. Ah, oh, putain. L'aube du quatrième jour avance. Ouais, on va faire ça et puis ensuite on va éviter. On a vu que ça donnait plein de voilà. Et du coup, dernier jour. Alors, est-ce qu'on va réussir? Où est-ce qu'on doit aller? Est-ce que déjà, peu importe où on va, on tombe sur lui? Ça, c'est une bonne question. On va aller ici et puis on verra bien. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va échouer? Ah merde, on a fait quelqu'un d'indulgent. Ah mais du coup on est... Ah ok, ouais, ok. Donc ça par contre c'est cool, c'est que peu importe ce que tu fais, c'est toujours... plutôt inverse, mon nom sera chanté parce que j'ai protégé. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Allez, déjà on spam. Wouah, comment? Ah ouais, non mais par contre pour le boss, le fait que du coup il touche à deux fois. Alors attention, là par contre. Attention! Putain. Ok. Bon, par contre, ça le... Mince. Ça le touche pas. Il faut faire attention. Attention! Ah là 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 là, je suis pas assez rapide. Ouais, je pense qu'il faut faire comme ça pour commencer. Et bam! Allez, là, on touche avec 3. Oh là là, comment sa vie elle descend trop vite, les mecs. Et les filles, d'ailleurs, s'il y en a. Ok, c'est bon. Allez. On est bon. Attention, bam. Attention! Ouh là là, on a eu chaud. Allez. C'est bon, il est mid-life. On va se le faire. On a pris très peu de coups. Tout va bien. Attention! Aïe, ta.
Pouah, 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 pouah. Attention. C'est bon. Ok. Allez, allez. On fait vachement mal quand même. Ok. On fait vachement mal quand même, c'est ouf. Allez, on va le battre. On va le battre, on va le battre. Allez, 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 allez. Plus qu'un coup. Plus qu'un coup. Attention. Attention. Ah, ça m'énerve parce qu'il n'y a pas de dash du coup. Putain. Vite, 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 la vie. Ok, ok, ok. Non. Ah, 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 ah. Putain. Oula. Vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Oui. Oui. Non. Hachur. Pourquoi m'avez-vous trahi? N'ai-je pas détruit la succube comme vous la vouliez? Oh, on l'a eu. Oh, on a GG. Oh, on a GG, là, les amis. Oh. Est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné? Ouais, je sais, je parle sur la cinématique, mais vu qu'on l'a déjà vu, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a gagné? Parce que, regardez, dans le dernier épisode, ou l'épisode d'avant, lorsqu'on perd, lorsqu'on meurt, le peuple obtient une technologie énorme, donc sûrement que vu que la technologie est énorme, vu que là, tout est énorme, je pense que le peuple a quand même dû grandir, enfin, il a dû survivre, il a dû s'envoler. Là, la Terre, elle meurt. On a battu le méchant, mais la Terre, elle meurt. Est-ce que on peut vraiment dire qu'on a gagné? Alors après, peut-être que je me trompe complètement. Peut-être qu'il faut juste, débloquer un perso spécial, et puis c'est bon. Mais, Nox l'araignée était un griffonné à plusieurs reprises, nanana... Nox était un ami de la coiffe de soie, connu pour être la tribu créée par la déesse. Chasseur légendaire, des stratèges, de nombreux. Nombreux étaient les plans de Nox, si nombreux qu'ils se tissaient. Jusqu'à ce qu'il devienne maître espion avec des agents dans toutes les tribus, lui rapportant tous les secrets. L'agent raconte que jusqu'à ce que son plan se concrétise, il nous espionnera dans le ciel comme une araignée. Ok. Sympa. Sympa. Donc, du coup, là, du coup. J'ai dit deux fois du coup. Coiffe de soie. Les mondes futurs peuvent maintenant inclure les tribus de la coiffe de soie. Ah, génial. Donc là, pareil, on a dû débloquer un truc de chez... Vous voyez maintenant... Ouais, ok, le ritualiste. Ah, attendez, je vais couper le record, je reviens tout de suite. Ah, attendez, alors ça, j'avais jamais eu. Vous êtes égoïste, chacun de vous. En fait, il y a eu le roi qui est venu, et puis il est apparu. Et... What? Une vérité, la souffrance vous a... Je vous prouverai au combat, je vais combattre tous vos héros. Ah ok, donc c'est ce qui doit se passer en fait à la fin. Ok, re les amis, alors... bon, on a eu la visite d'un certain monsieur qui visiblement n'a pas aimé notre venue, hein, je pense on peut se le dire. Donc, du coup là on a l'araignée, on a lui, il y a plein de trucs à débloquer, je sais pas... pas du tout comment on les débloque. Je... Je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas, ce qui va se passer lors du prochain épisode, enfin, lorsqu'on finira le prochain chapitre, c'est très simple. Je, tout simplement,
déciderait de couper le record avant que ça commence à parler pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc lui, on l'a toujours pas débloqué. Donc il nous reste lui ou elle. Enfin, elle ou elle d'ailleurs. À distance, type gel, type soutien, type rapide, type à distance, type sauvage, type puissant. Ah, mais il reste la sorcière aussi. Alors, la sorcière, la sorcière, la sorcière, la sorcière, je vais l'appeler, c'est. La sorcière. Kirikou est petit. Mais... Ah, je suis Comment con. ça s'appelle? Bon, on va l'appeler Hermione. Alors, vous allez me dire, pourquoi Hermione? Eh bien parce que déjà dans la... Mince, dans le théâtre, dans la pièce de théâtre de Harry Potter, et eh ben elle est noire, voilà, tout simplement. Et parce que ça fait des vues de mettre Harry Potter, du coup je vais mettre Harry Potter, voilà, tout simplement. Enfin, je vais mettre Hermione en noir et puis je vais l'appeler Hermione, voilà, tout simplement, voilà. Du coup, on va aller chez Célestin. Du coup, je pense qu'elle doit être au CAC et que il faut augmenter sa force, je pense. Après, peut-être que je me trompe. À chaque récitation. Encore et encore. Différent à chaque fois. Je pense qu'il doit y avoir un moyen de gagner, hein, clairement. Ah, votre épopée. 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 Eh bah. Alors. D'ailleurs, je me demande pourquoi le druide, c'est le seul que l'on voit. Nous sommes presque rendus à la maison. Il faut trouver un endroit. Alors, du coup, ok. Wouah! La meuf! La meuf, elle a un rayon laser! Mais what? Mais c'était quoi cette meuf? Mais please! Mais la meuf, elle a un rayon laser! Eh mais... Voilà! Depuis quand Hermione, elle a des rayons laser dans ses baguettes magiques? Eh vous, alors là... Eh mais... Aïe, aïe, aïe! Quoi? Mais genre... Attendez, parce que là, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. J'ai voulu faire mon rayon laser, je me suis fait... défoncer. Vraiment, genre chaud. Évitez, on sait que ça donne de la force. Voilà, on a gagné 5 de force encore. Alors par contre, je me suis fait éclater. Je me suis fait éclater. Les arcs-en-ciel sont faits de tristesse et de joie. Les serpents les tissent ensemble pour créer les filles aînées de la sœur Archan. Vous pouvez connecter ce bâton correctement, je pourrais utiliser les dessins. Ok. Ma sœur m'a dit qu'on allait une santé comme la flatulence d'Anguille. C'est elle qui détient l'imagination de la famille. Bonjour toi. Je ne dis pas que je suis d'accord avec les... Mais peut-être que l'écriture pourrait nous aider à nous souvenir de tous nos rituels de calcul. Les étoiles s'alignent. Allez,
Mes calculs prédisent. Elle a pas le même visage que d'habitude, si. Mais elle ne vient pas. Oui. Bon, ça c'est. Alors, du coup. Arsementé pourrait faire une élimination. Ouais. Attendez, là il y a quelque chose. Porte des esprits. Oh, on va aller à la porte des esprits, les amis. Il faut qu'on aille à la porte des esprits. Ah, attendez. Sans déconner. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que. Enfin, je tiens à vous le dire. Tous les épisodes sont tournés à la suite pour le moment. Du premier jusqu'à celui-là. On est le cinquième. Ils sont tous tournés à la suite pour souci de. Ok, génial. Pour souci de. Cause de. Ok, bon, elle par contre, elle est plus simple à manier parce que. Elle peut faire du dash. Voilà, donc quand tu peux faire un dash, t'es plus simple à manier. C'est con, mais c'est vrai, hein. Je tiens à vous le dire. Puisqu'on dash, elle est plus facile à manier. Alors, bref, du coup, oui, je disais, pour souci de une nouvelle fois, je vais travailler chez ma maman. Du coup, eh bien, quelque chose, peut-être quelqu'un de courageux pourra. Oh merde! Faut quelqu'un de courageux. Oh, il y a quelque chose là. Bonjour. Aïe, 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 aïe. Ok. Tu vas te calmer. Putain. Ah. 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 Non, 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 non. Voilà. Putain, elle est chaude à tuer cette. Cette truc. Non, 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 non. Ok, tout va bien. Tout va bien. Alors là, j'ai vu, il y avait un monstre pareil. Voilà. Adieu. Alors, par contre, il y a quelqu'un. Le seul souci qu'elle a, c'est que quand elle fait un truc, eh ben, elle recule. Jabel, il regarde une fleur. Une araignée monte le long de la tige. Le rejoindre. On va méditer. Il vous invite en silence. Vous voyez la réplique exacte de votre monde en miniature. Un tout petit univers fait d'insectes et d'arachnides. Oh. On n'a pas gagné le truc, mais on a gagné des points. Des bonus. Des bonus qui vont plaisir. Hop, 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 hop. Voilà. Non mais. Putain. Allez, s'il te plaît. Putain. Il y a de la vie et je peux pas la prendre, quoi. Le troll ultime. J'aime pas quand les jeux me trollent. Ça me rappelle que je suis faible face au jeu. Ah bah, de toute façon, on est tous faibles face au jeu. Enfin, je veux dire. Le jeu, c'est le plus fort. Enfin. Tu peux rien faire face au jeu. Oh 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 ah 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 non 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 je veux pas mourir je veux pas mourir non 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 t'es méchante la fleur t'es méchante la fleur meurs meurs oui de la vie pardon
je vais retrouver un petit peu de virilité. Vous en faites pas. Dans quelques... Putain, j'ai cru que c'était un monstre. Ah, de la vie. Oh, c'est génial. Moi, j'aime bien la vie. Enfin, je trouve la vie, elle est sympa. Et je pense qu'on arrive au... Bonjour. Non, c'est pas le cimetière. La porte des morts. Elle est là, la porte. Oh, oh, oh. Ah non. Reculez. Vous ne transgresserez pas le portail. Ni vous, ni aucun esprit. Vous savez que les Anukis conspirent contre moi. Ils veulent ouvrir le portail. Vous demandez ce que les dieux disent que vous ne devez pas savoir. Puissiez-vous trouver la paix dans la mort. Ah. Attention! Attention! Non! Je suis mort. Oh là 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 là. C'était obligé. C'était obligé. Donc du coup là c'est encore la... Ouais c'est la chamane. Oui mais on l'a déjà. Du coup, qu'est-ce qu'on a obtenu? Je sais pas. Du coup on va aller chasser et puis on va s'arrêter là. Scène de force. S'approche du camp. Absent et rejette vos tentatives de discussion. Il se complaît dans la silence. Vous gagnez 3 d'endurance. Là je demandais pourquoi. On a travaillé en secret pendant des années pour nous conduire vers un nouvel âge d'éveil et de civilisation, nanana. Pour représenter les anciennes coutumes, nanana. L'adepte se pavane dans l'aube. Ok. Bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous en remercie et je vous dis à la prochaine tout le monde.